va aussi, c'est l'anniversaire de la chaîne. Voilà. J'ai anniversaire à la chaîne. Ça fait 2 ans. Merci pour tous mes abonnés. Merci mes abonnés. Merci pendant ces 2 ans où on a vécu des aventures. Je sais que maintenant que normalement on n'est pas là, du coup, je suis désolée parce que tout simplement parce qu'on est deux dans cette chaîne. Donc du coup, voilà. Je suis désolée. Du coup, voilà. Les abonnés sont pas là. Monaco n'est pas là. Du coup, mais je vous remercie pour nous deux. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie énormément pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup pour les commentaires. Merci pour les vidéos. Merci pour les vues. Merci. Vous êtes des gens gentils. Vous êtes des gens adorables. Merci. Je vous aime tous. Je vous aime tous, tous, tous et tous. Je vous aime tous. Bref. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va remercier toutes les personnes qui nous a quittés. On va les célébrer tout simplement, tous ceux qui nous a quittés. Toutes les personnes qui nous a quittés, toutes les personnes qui nous a aimés, toutes les personnes en fait qui nous a quittés et aimés, toutes les personnes qui sont mortes, qui nous a quittés, il faut les célébrer parce que simplement, c'est des personnes. Et même s'ils nous ont quittés, ils sont toujours dans notre cœur. Et on n'oubliera jamais tout ce qu'ils ont vécu. Et pensez à ces personnes-là qu'on a quittées, pensez à nos petits corps, tous les souvenirs qu'on a vécu ensemble, toutes les personnes qu'on a vécues. Pensons à toutes ces personnes qu'on a aimées, qu'on a appréciées et qu'on a vécu des très bons moments. Pensons à tout ça, faisons méditons pour toutes les personnes qu'on a perdues et qui sont maintenant au ciel, mais qu'on les aime très fort et que aujourd'hui c'est leur journée à eux, c'est la journée de leur gloire, c'est la journée de leur beauté. On les remercie, même s'ils sont saints, remercie pour tout ce qu'ils ont fait. On va les gracier, on va les dire tout simplement tout ce qu'ils aiment et ils sont là avec nous, présentement, ils sont avec nous tout le temps. Et c'est leur fête parce que simplement c'est leur fête de beauté, c'est leur fête où tout est beau et magnifique. Et c'est ça en fait leur fête, c'est leur fête de Sébastien parce qu'il faut les honorer, parce qu'il faut avoir le respect pour un mort, il faut avoir le respect pour un mort, pour quelqu'un qui est morte, parce qu'il faut un homme de respect. Et il faut aimer ce genre de personnes, il faut dire merci et désolé pour tout ce qu'on a fait, il faut qu'on pardonne tout ce qu'on a fait avant de mourir, il faut qu'on dise pardon à tout ce qu'on a fait. Et moi, je dis pardon à tout ce que j'ai fait, à personne qui j'ai peur, ou à tout ce que j'ai fait, personne. Et à toutes les personnes qui sont mortes dans ma famille, ou toutes les personnes qui sont mortes, simplement dire merci, tout ça. Et en même temps, désolé, et des choses désolées. Vraiment, envie de les célébrer en disant que il me manque beaucoup et qu'ils voudraient bien. Donc aujourd'hui, on va les célébrer, on va essayer de célébrer tout ça. Et célébrons. Et aimons les personnes qu'on a aimées. Et c'est vraiment cette vidéo, c'était pour célébrer et pour dire que la joie et la bonne humeur d'aimer et de dire que simplement il y a du souvenir de cette mort et souvenir de personnes qu'on a aimées. Et souvenez-vous de toutes les personnes qu'on a aimées, toutes les personnes qui sont mortes mais qui sont toujours dans notre cœur. N'oublions pas que il faut les célébrer et ne jamais oublier ces personnes-là. Même les personnes qui ont disparu, les personnes qui sont mortes soudainement. N'oublions jamais ce genre de personnes, les personnes qui ont disparu, qui ne sont pas encore retrouvées. Pensons aux personnes qui l'ont utilisé. Et prions. Essayons de espérer, même si vous ne priez pas, pensez à espérer et pensez à votre cœur, ces personnes-là. Merci. Merci pour tous les abonnés.